avait passé un pacte avec maman en se disant qu'on reviendrait tous les ans après ça. Mais j'imagine que la vie en a décidé autrement. En fait, je voulais te parler de l'université. Maman, c'est maintenant qu'on a enfin ce qu'on a toujours voulu. Un contrat de mannequinat dont toutes les filles rêvent. C'est ma remise de diplôme. Tu crois vraiment que je n'allais pas remarquer un prélèvement de 7 000 $ pour un billet d'avion pour l'Australie? Même quand ta fille est en couverture de tous les magazines de New York, c'est comme si tu ne me voyais pas. Cora, j'y crois pas. Mais regarde-toi. Et qu'est-ce que ta mère pense de cette visite? Bah, elle pense aussi que c'est une super idée. Ça va? Cora, voici Chica. Et je te présente Tom. Ça va ou bien? C'était quand la dernière fois que t'allais nager? Quoi, dans l'océan? J'ai raté la majeure partie de mon enfance pour pouvoir être là où tu voulais que je sois quand toi tu l'avais décidé. J'ai toujours fait ce que t'as voulu, mais maintenant je vais faire quelque chose que j'ai décidé. Cora, tu ne peux pas toujours prendre la fuite. Je ne suis pas en train de fuir. Je prends seulement un autre chemin. Du moment que tu ne l'as pas choisi. Ils sont vraiment bons. Merci. Il y a des femmes fortes dans notre famille. Et tu en fais partie. Sois fière de ça. Allez, c'est le moment de passer au meilleur. Des choses arrivent et nous changent. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Ce qu'on peut contrôler, c'est comment ça nous change.